Denise Fou. Elle est sortie du cadre. Et alors? Alors, il y a un avis de tempête et il ne fait pas bon rester dehors. Il ne fait pas bon rester dehors. Vous êtes sûr que c'est du français? Ben oui, j'ai vérifié, c'est correct. Il ne fait pas bon rester... Parce qu'il ne faut pas bien, pas bon. Bon, ça suffit, on a assez perdu de temps comme ça. Tu ne comprends pas, tu te feras expliquer ça par un adulte. On n'a pas le temps. Quel temps? Le bon ou le mauvais? Le temps imparti. Quoi? Imparti où? Le temps accordé. Ah. Bon, y'en a marre. Allez, moi je commence. Miroir, gentil miroir, dis-moi, je suis la plus belle des princesses de tous les royaumes, de tous les contrées, de tous les pays, de tous les univers. Tu es sûre que tu me le veux de ma part de croire, ton miroir? Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute des milliards de princesses parmi tous les univers. Ben quoi? Il est sûr que je suis la plus belle. Justement, est-ce que tu es sûre qu'il te dit la vérité, que son reflet dit vrai? Attention, rafale de vent 80 km/h venant du sud avec des giboulées de Mars en avance. Vent force 99 à décorner les bœufs. Dans 3 secondes, 3, 2, 1. Waouh, ça décoiffe. On pourrait peut-être fermer la fenêtre. Ce n'est pas une fenêtre, c'est un cadre. On aurait pu choisir une fenêtre, c'est plus sûr. Plus sûr que le reflet du miroir qui ne reflète que ce que l'on veut voir. Ou ce que l'on peut voir. Si on réfléchit bien, le miroir nous reflète. Mais on ne peut pas se voir totalement. Hein? Oui, on se voit qu'à travers soi-même. Non, on se voit à travers le miroir. Non, à travers soi-même dans le miroir. Et à travers le miroir dans soi-même, non? Ça, c'est une possibilité. Oh, moi, je ne vous suis plus, je suis perdue, là. On pourrait peut-être essayer de rester simple, de faire notre boulot de tableau, chacun dans son personnage. Oui, la servante a raison, ça me fatigue toute cette réflexion. Attention, nouvelle alerte! Tempête avec vent puissant et plus de... Attention, nouvelle alerte! Tornade... Attention, nouvelle alerte! Tornade avec vent puissant... Avec des giboulées de Mars en avance, vent force 99 à décorner les bœufs et des inondations au nord, sud, est et ouest. Attention, dans 4 secondes, accrochez-vous. 4, 3, 2, 1. Wow, un peu plus et on était décadrés. Ça va, tout le monde est là? Oui, je crois. Si tu avais su, j'aurais amené mon balai qui résiste à tous les vents. Aïe, 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 moi j'ai perdu ma loupe, pas facile d'y voir clair. Que disons-nous, mon cher Watson? Nous disons que la princesse s'auto-complimente à travers son miroir. Non, à travers elle-même, il faut suivre. Pas facile de suivre avec ces intempéries et périls. J'ai l'impression d'avoir la tête à l'envers. Mais revenons à nos moutons pas galeux ni corrigés. Réflexion, mis à part entière, car si le reflet est illusion, la pensée échappe à la réflexion par la fenêtre ouverte. Puisque c'est un cadre sans vide, donc sans réflexion. Ça
sans réflexion n'est pas sans réfléchir, car le fléchage est indispensable en ce qui concerne la direction de la pensée. La pensée miroir de la fenêtre qui est sur un horizon sans limite. Ah non, là vous allez trop loin. Le niveau de réflexion dépasse le niveau CM2. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux quand même. Restons au niveau de la pensée primaire. Je pense, donc je suis, capable de réfléchir, sans fléchir, au sens que je peux suivre. En effet, mon cher Watson, c'est clair comme de l'eau trouble. Ou comme de l'eau plate. Pourquoi plate? Pourquoi pas? Attention, nouvelle alerte! Tempête avec vent puissant et pluie de hot dog volant venant de l'ouest dans une seconde. Une! And the hot dog flies away into an endless space, past Milky Way into a world unknown. And the hot dog flies away into an endless space, and the hot dog flies away, who knows where it goes. And the hot dog flies away into an endless space, so much to discover. And the hot dog flies away! On est mal barré, on a perdu le cap, seulement je vais me baler. À mon avis, de tempête, on est décadré. Et alors? Alors rien, trop de tempête pour continuer de toute façon. Le prochain avis est accompagné d'une pluie de choucroute volante. Oh non! Pas la choucroute! Bon, on met les voiles? Oui, du balai. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vraie histoire de Blanche-Neige. N'hésitez pas à cliquer le petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Maintenant, passons à la vidéo. J'aime bien les couleurs.
suis contente d'avoir mis fin à la crise d'adolescence de Blanche-Neige. Elle sera plus facile à duper. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est rien. Est-ce que tu as faim, ma chérie? Est-ce que tu veux cette pomme délicieuse? Parfaitement ronde. Ah oui, s'il te plaît, je vais le manger tout de suite. Oh, c'est trop bon. Oups, je suis trop bête. Je vous ai montré la fin de l'histoire. Tant pis, mais vous promettez à le dire à personne, ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, à la prochaine les petits loulous. Je me suis trompée, ce train ne part que dans une heure. J'espère que Péléchon va me donner cette avance. J'en ai vraiment besoin. Tiens, monsieur Majorin. Enfin, te voici. Ah, vous, comment vous n'êtes pas à votre bureau? J'ai demandé à coucher, belle dame. Je ne vous laisserai pas partir sans faire mes adieux. Ah, c'est pour ça que vous venez ici. Que c'est aimable. Mais je ne veux pas Péléchon. Papa s'occupe des bagages. Je te prends les billets là-bas. Très bien. Ah, le voici. Bonjour, Charlie. Ah, c'est toi? Eh bien, je t'ai venu. Mais pardon, il faut que je prenne les billets d'abord. Il est poli. Ah, arrêtez-vous! Quel massacre! Qu'est-ce que vous faites là? Je vais m'endormir ou quoi? Mais oui, tout cela manque de dynamisme. On s'ennuie à mourir. Je vous rappelle que la première arrive dans 2 semaines et nous sommes pas prévus. Bon, Péléchon, il est passé où encore? J'arrive, madame. Ah, oui, ah, très bien. Ah, quand Péléchon fait des phrases, vous savez ce que ça veut dire, pas des phrases? Faire des phrases, c'est parler de manière. Pardon, mais c'est encore prétentieux. C'est quelqu'un qui se donne des airs, qui se trouve supérieur, qui cherche à se faire valoir en tout transit. Cherchez bien ce que vous avez. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Je l'ai déjà vu pour améliorer les yeux de votre cas. Il faut d'abord observer. Alors, ça se trouve, vous observez, Péléchon? Prétentieux, hein? Oui, c'est ça. Je crois que je le tiens, madame. Ah bon? Très bien, alors. Allez, on y va. Bienvenue dans l'histoire du miroir du Far West, écrite et présentée par une classe de CP au CME2 de l'EFNI. C'est l'histoire de la rencontre magique entre deux mondes d'aujourd'hui et du passé. Restez bien assis car vous allez adorer. Tu vois Merlène, bientôt ce miroir nous permettra de voyager dans... le futur. Il me reste quelques petits réglages à faire, mais bientôt il sera prêt pour faire le grand voyage. C'est carrément génial! Tu imagines ce qu'on pourra faire dans le futur? On pourrait voir des voitures volantes et plein de technologies. Tu as raison, une grande aventure nous attend. Allez, il faut se mettre au travail pour finir tout ça. Mais bravo sur les panneaux, c'est magnifique. Je sais, personne va y toucher. Imagine si quelqu'un y passerait. Ce serait tellement dommage. Ouais. Quelqu'un va nous entendre. Dehors. Vous êtes qui? Vous avez l'air bizarre. Vous venez d'où? Oh, on ne sait pas. On est juste passé par le miroir magique et on a atterri ici. Miroir magique? Mais de quoi elle parle? A-t-il des sorcières? En tout cas, elles n'ont pas l'air de sorcières, mais c'est vrai qu'elles sont très étranges.
étranges. Regardez leur coupe de cheveux, leurs vêtements. J'ai vu ça. Attendez, mais écoutez ce qu'elles ont à dire. Elles ont parlé d'un miroir magique. Peut-être qu'on peut voyager nous aussi. Moi, je ne crois pas du tout à ce miroir magique. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Et elles sont fortes. Ma chérie, fais quelque chose! C'est vrai que cette histoire est bizarre. Peut-être qu'il faudra les enfermer et leur faire tout avouer. Chère villageois, calmez-vous, calmez-vous. On va laisser un peu de temps à ces deux jeunes filles à se reposer. Mais demain, on aura une discussion très intéressante sur quoi y faire. Maintenant, amenez-les à l'auberge. Il faut absolument prévenir le village. Quelqu'un est passé à travers le miroir. Oyez, oyez, villageois, approchez-vous. Oyez, oyez, villageois, approchez-vous. Chers villageois, on a vraiment besoin de votre aide. Quelqu'un est passé à travers le miroir. Et il n'est pas encore fini. Alors on n'a aucune idée où elles sont. Et on ne sait même pas si on peut les retrouver ou les ramener. On peut être coincé là-bas, nous aussi, si on y va. Alors, ok, on a besoin de votre aide pour passer le miroir. Et si on peut les retrouver et revenir ici, on va y arriver. Et c'est par là. Peut-être nous dire s'ils ont vu les filles. Viens. Comment ça marche? Attends, pousse. Vous êtes tous venus au rendez-vous ici ou quoi? Attends, vous voulez dire que vous avez vu que Chatter est là? De quel monde vous venez? Vous êtes atrocement et horriblement étrange. On a perdu le deuxième, s'il vous plaît. Nous, allez retrouver. C'est difficile, ça. D'abord, dites-nous d'où vous venez, d'accord? Ok, je vous explique. J'ai inventé un miroir qui, à la base, devait nous faire voyager dans quelque chose qui s'appelle le futur. Mais nos sorts ont traversé avant qu'il soit terminé. Alors maintenant, on essaie de les retrouver. Et voilà. Mais vous venez en quelle année? Bon, en 2022. Quoi? Et ce que vous savez, que nous sommes en 1865. Quoi? Allez chercher ces deux filles. Il faut en découdre avec cette histoire. Arrête! Elles sont là, youpi! Mais qu'est-ce qui vous a pris, les filles? On était paniquées de ce qui aurait pu vous arriver. Ces panneaux nous ont coûté très cher et on a pris tout cet effort pour rien. Ouais, c'est cher les panneaux. Bon, on les a retrouvés. On rentre maintenant? Mais si vous avez pu venir dans notre monde, est-ce que ça veut dire que nous aussi, on peut aller dans le monde du futur? Nous n'avons pas encore assez testé ce miroir magique, si vous pouvez venir avec nous. Bon, cher monde du Far West, merci de nous avoir aidé à guider, à retrouver nos sœurs. Mais nous, maintenant, on doit filer. Et trouver le métro. C'est quoi le métro?
Qu'est-ce que tu dis? Mais prends-le-moi! Arrête! Prends-le-moi! Oui, attrape-le! Oui, arrête! C'est de ma faute. Pourtant, j'ai rien fait. Je ne leur ai rien fait. C'est Sacha qui a un problème, pas moi. Ah, ça y est, le prof est parti. Ouais, et Alex aussi. Vous pensez qu'ils sont partis ensemble? Ouais, ils vont faire un date. Encore mieux, ils vont aller dans un hôtel. N'importe quoi, Alex est trop moche. Personne n'a envie d'elle. C'est clair, elle ferait mieux de disparaître. Vraiment, Sacha? T'as un problème. Moi, j'ai un problème. Mais non, pas du tout. Tout le monde me demande pourquoi ci, pourquoi ça. Mais c'est pas parce que j'ai un problème. Je suis parfaite. Je suis belle et populaire. J'ai tout ce que je veux. J'ai toute cette haine, cette colère. C'est comme un mur qui bloque mes émotions. Et je ne sais pas comment me libérer. Je suis enfermée, prisonnière. Je suis seule et personne n'est là pour m'écouter. Seule, personne. Seule dans mon cœur et dans ma maison. Je veux dire pardon. Je veux vraiment. Mais elle ne va jamais m'accepter. Personne ne va m'accepter. Regarde là, elle a tellement stupide. Maintenant, je comprends pourquoi Alex n'a pas d'amis. Mais vous ne compreniez pas déjà. Si on l'a provoqué, ce serait tellement drôle. Oui, c'est Sacha qui devrait la rencontrer. Allez, Sacha. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, ton parrain? Vraiment? Après tout ce qu'il s'est passé? Écoute-moi, j'étais jalouse, envieuse et haineuse. Je ne te voyais pas comme un être humain. Je voyais tes vêtements, tes possessions et tes actions. Par contre, je ne te voyais pas pour qui tu es. Et pour ça, je suis pleine de regrets. Je ne vais pas t'obliger à accepter mon pardon. Mais j'espère que tu sais que je ne suis plus qui j'étais. Alex, je me reconnais en toi. Tous les jours à l'école, j'étais humiliée, moquée et maltraitée. Le pire, c'est que personne ne comprenait la situation. J'étais enfermée. Mais je n'avais jamais de haine pour mes professeurs car je comprenais qu'ils étaient humains que moi. Ce n'est pas leur faute, mais c'est la faute de tout le monde qui refuse de dénoncer ça. Sacha, je vois qui tu es vraiment. J'avais peur, mais plus maintenant. J'avais peur avant. Bonjour, le club théâtre du collège du lycée français de New York est heureux de vous présenter Les éclats du miroir brisé. Bon spectacle!
fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours bien intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà les vagues de toi, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son geste et avec son vêtement, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et parfois, je me la raconte à moi-même. Il était une fois... Dans la ville de Foix, une marchande de Foix qui... Ah, tais-toi ! Je disais, il était une fois une petite fille qui avait été abandonnée dans la forêt. Et qui avait été élevée par des loups. Des loups ! Des loups ! Chut ! Et elle n'avait jamais vu son visage. Jusqu'au jour où elle découvrit un miroir ! Oh ! Bah, où c'est qu'il y avait un miroir dans la forêt ? L'histoire ne le dit pas ! Il y avait un miroir, plutôt une basta ! Oh ! Il y a quelque chose dans ce miroir, et qui paraît aussi étonné de moi que je suis d'elle. C'est mon visage. Vous savez que cela est très beau. Que cela est un objet charmant. Le miroir fait toutes les limites et toutes les. Et dans les contes, il y a toujours un prince charmant. Oh, ça arrive. Enfin, il arrive. Sur son fier destrier, Gary hurle. Une sorcière là, ça peut pas être un prince. Tu mords ! Le prince alors lui dit: Oh ! Oh, que vous êtes jolie ! Que vous me semblez belle ! À ces mots, la jeune fille ne se sent plus de voix. Et pour montrer son beau visage, elle ouvre grand les bras. Et lui tend son image. Le prince s'en saisit et dit: Mais oh, c'est moi ça! C'est pas juste! Mais il y a quelque chose dans ce miroir et qui paraît aussi étonné de moi que je suis de lui. Mais c'est là mon visage. Vous savez que cela est très beau et que ça fait un objet charmant. Le miroir fait toutes mes mines et toutes mes plaisses. Et il s'en suivit une grande discussion. Chacun voulant l'objet de la discorde, pour s'y admirer, pour s'y abîmer, avec un accent circonflexe. Ah oui, c'est important. Le dragon voudrant régler la querelle, s'en saisit et dit: Bah, d'où il vient le dragon alors? Il y a toujours des dragons dans les histoires. On sait pas d'où ils viennent, mais ils piquent toujours les miroirs. Ah bon? Bah, qui dit dragon alors? Il dit rien. Il crache du feu et il brise le miroir. Mais c'est quoi la morale de cette histoire? C'est vrai.
sourire. Elle se bat, se regarde, nous invite pendant des heures devant son miroir. Même si ses amis lui disent le contraire, elle se voit toujours aussi vieille. Souvent, en regardant le miroir, elle voit que sa vieillesse. Elle vit dans la tristesse. Mais moi, j'essaie de lui montrer comment elle est pour de vrai. Je ne triche pas avec le reflet. Je suis jeune, mais je me sens comme une femme âgée. Souvent, je descends vers la rivière de ma vie, et quand je me regarde dans l'eau, je me vois vieille. Quand je me regarde, je vois ma grand-mère. Je ne peux pas supporter ça. Je suis trop jeune pour être vieille. Mes amis me disent que je suis belle, mais je ne me sens pas comme ça. Quand je marche dans la rue, je reçois plein de compliments, mais ils ne sont pas suffisants pour changer mon avis. Je me sens vieille. Je marche souvent dans un petit village pour aller au travail. Mais aujourd'hui, j'ai vu une femme belle, une femme magnifique, tout ce qu'un homme peut rêver. Cette femme, elle n'avait pas l'air heureuse. Je me demande comment une femme aussi belle que ça puisse se sentir mal. C'est la femme de mes rêves. Être un miroir est une grande responsabilité. J'écoute tout et je me rappelle de tout ce qui me dit. Comme il se parle devant le miroir, c'est-à-dire moi, j'entends toutes ses remarques. Ce qu'il est et qui il était. C'est même ce qui se passe à l'école, car il me le dit sans le savoir. Je le vois tous les jours, se réveiller, changer, faire ses devoirs, même dormir. C'est comme si je me faisais confiance, mais ne le savais pas. Du coup, je ne m'ennuie jamais. Je vois tout, ça n'embête personne. Je suis omniscient, je sais ce qu'il pense. J'ai toujours mal au cœur quand je rentre dans le bus le matin. Ses amis essayent de me parler sans prévenir, mais ils n'y arrivent pas. Je ne comprends pas pourquoi ils me parlent. Je ne suis pas belle comme les autres. Je le vois, lui. Je me rappelle de notre histoire. Quand je tressais mes cheveux longs, qui tombaient sur mes yeux devant le miroir, quand je regardais dans le miroir, je ne reconnaissais pas cette personne mystérieuse. Pour moi, c'était un étranger. Ça me fait de la peine d'y repenser. Avant, au collège, on était les meilleurs amis. À la récréation, on jouait avec nos cheveux et on s'apprenait à faire des bracelets. Le bracelet. J'ai toujours le bracelet. Ça me ferait trop de la peine de le jeter. Je regarde à son panier. Il a encore le bracelet avec l'étoile dorée qu'on avait depuis toujours en signe de notre amitié. Et puis, elle savait avant moi que je n'en pouvais plus d'être une fille. Il fallait toujours être une parfaite fillette. Quand je suis avec les garçons, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Personne ne nous juge à chaque seconde, et c'est beaucoup mieux. Je suis omniscient, je sais ce qu'il pense. Les élèves du primaire du lycée français de New York vous présentent Vous réfléchissez trop.
Mais ce n'est pas un cadre, c'est une fenêtre. Ah non, c'est un cadre. Cadre, fenêtre, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil, pas du tout. Non, une fenêtre, tu peux te voir dedans. Mais non, un miroir, tu peux te voir dedans. Une fenêtre, tu vois dehors. Si on réfléchit un peu, on peut aussi se voir dans une fenêtre. Ouais, mais j'y sais trop. S'il n'y a pas de cadre, je vais courir. Voilà, c'est la débandade. On n'est pas cadré. On pourrait s'encadrer. Ah non, je ne peux pas vous encadrer. On t'a rien demandé à toi. Oh là là, si c'est comme ça, moi aussi je vais courir. Nous voilà bien avancés. On aurait dû écouter les consignes. Les quoi? Les consignes. Quelles consignes? Moi, j'ai rien signé. Si seulement on avait réfléchi avant. Réfléchi à quoi? Réfléchi au cadre de la pièce. Mais si la pièce est ronde, vous avez pensé? Oh là là, vous réfléchissez trop. Moi aussi, je vais courir. Une pièce ronde. Une pièce ronde. Une pièce en cadre. Une pièce en cadre. Ni fenêtre. Ni fenêtre. Ni miroir. Ni miroir. Sans réflexion. Ni consigne. Moi, j'ai pas signé. Non plus. Une pièce bête. Mais une pièce à vivre. Avec des fenêtres sans cadre pour voir loin. Et des miroirs pour réfléchir. Pas trop quand même. Et une scène pour courir. Réfléchir avec un public pour nous refléter et nous applaudir.